Les âges sont finis, sortez. Les églises ont failli, sortez. La lumière du matin a fait produit le livre des actes des apôtres. Et la lumière du soir sont tombées, sortez. Le livre des actes. La politique est pourrie, sortez. L'éducation. Sortez, il n'y a plus de temps. Sortez, sortez mon peuple, sortez. C'est fini, sortez. Que le Père de Lumière vous bénisse de toutes les bénédictions rédemptrices. Nous allons continuer avec notre leçon, la lumière du soir. William Branham disait, la vérité s'appelle Dieu. Je ne suis pas responsable du message, mais je suis juste l'écho du ministère de William Branham. Pour actualiser le message, conscientiser les fils et filles de Dieu. Alors, mes chers amis, vous qui allez écouter ceci, étudier la leçon, examiner les Écritures, sonder les Écritures pour voir si cela vient du Seigneur. Alors, sans plus tarder, je prends le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 14, le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'est la prophétie de Zacharie. Nous prenons Matthieu, le chapitre 24, le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, nous allons corriger, en quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. Que le Père de Lumière, le Seigneur Jésus-Christ, ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, nous allons essayer de récapituler pour avoir l'image de la première leçon. On avait vu que la lumière du matin avait commencé la rédemption. La lumière du matin avait aboli les substituts qui étaient donnés après la chute d'Adam, parce qu'Adam était dans le jour, Adam était dans la lumière, Adam était dans la perfection. Et après la chute d'Adam, il n'y avait plus la lumière et les gens se contentaient de ce que Dieu leur avait donné comme substitut. Ils avaient des intermédiaires. Et quand la lumière du matin était venue, le soleil levant, alors il n'y avait plus de substituts. Et c'était le commencement de la rédemption. La lumière du matin avait aboli le paradis. Et la lumière du matin n'avait pas d'église. Mais la lumière du matin a mené les croyants à être en contact avec le Créateur, comme la communion que Adam avait dans le jardin d'Éden. La lumière du matin, le soleil levant,
n'avait pas organisé une église. Il n'y avait pas d'église. Jésus n'avait pas commencé une église. Jésus n'avait pas demandé à Pierre ou aux 12 apôtres d'aller faire des églises. Mais il leur avait dit ceci: allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc par conséquent, la lumière du matin n'avait pas d'église, n'avait pas d'organisation. Et c'était le commencement de la rédemption. Nous allons appuyer ça par la citation. Dans le sermon « Les esprits séducteurs » au paragraphe 75, il est dit ceci: « Nous essayons de construire de grandes églises. » Ici, Frère Branham précise bien « construire de grandes églises. » Au lieu d'envoyer des missionnaires, un autre substitut. Jésus n'a jamais établi qui que ce soit pour qu'il construise une église. Ça n'a jamais été établi dans la Bible. Donc Jésus n'a jamais envoyé qui que ce soit de construire des églises. Et selon le messager, il dit c'est un substitut. Et nous savons très bien que les substituts ont été donnés quand Adam était tombé. C'est là où nous avons eu des substituts. Mais Adam n'avait pas d'organisation. Adam n'avait pas de rituel. Adam n'avait pas d'ordre. Adam n'avait pas de loi. Et Adam n'avait que la communion avec Jéhovah, le Père des Lumières. Et Adam avait le titre de propriété incontestable. Alors, mes chers amis, la lumière du matin avait produit le livre des Actes des Apôtres. La lumière du matin n'avait pas produit des églises. Mais la lumière du matin, le soleil levant avait produit un livre des Actes des Apôtres. Et vous pouvez, mes chers amis, étudier les Actes des Apôtres. Les apôtres, dans les Actes des Apôtres, ils étaient dans le jour. Ils reflétaient la lumière du soleil. Ils avaient la lumière du jour pendant 33 ans. C'est là où nous avons les Actes des Apôtres. Et vous pouvez lire les livres des Actes des Apôtres. Il n'y avait pas d'église. Mais ils avaient les lieux de rassemblement. Les apôtres n'avaient pas construit des églises. Mais les apôtres, eux, ils avaient juste la seule mission: faire des disciples, convertir les gens, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit et qu'ils aient l'expérience personnelle avec Dieu. C'est pour cela, mes chers amis, vous pouvez partir en Israël. Vous ne trouverez pas une église laissée par les 12 apôtres. Vous ne trouverez pas une église laissée par Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un substitut. Ce n'était pas la commission donnée par Jésus, mais c'est un substitut. Même quand William Branham disait que l'église était inaugurée à la Pentecôte, il ne parlait pas de l'église comme organisation, mais comme le corps de Christ qui avait commencé à la Pentecôte. Mais il ne parlait pas de l'église comme organisation. Et nous avons 33 ans. Et nous savons très bien que Jésus aussi avait fait 33 ans sur la terre. Et la Pentecôte aussi. La lumière du soleil. Les apôtres dans le jour. Ils avaient aussi fait 33 ans dans la lumière. Et ils ont laissé le livre des Actes des Apôtres. La lumière du matin nous a laissé un livre des Actes des Apôtres. La lumière du matin ne nous a pas laissé une église. Nous a pas laissé l'organisation. Donc 33 ans après,
C'est là où nous avons maintenant l'âge des fesses qui commence. Et ça, c'est la nuit. Parce que nous avons les sept âges de l'Église qui sont les sept étoiles. Et les sept étoiles sont des sept messagers des sept âges de l'Église. Alors, mes chers amis, là, nous commençons maintenant avec les substituts. Et c'est la nuit. De la même manière, après la chute d'Adam, la nuit avait commencé, Dieu avait envoyé les prophètes. Dieu avait permis que ce peuple se contente des substituts jusqu'à ce que la lumière du matin s'était élevée pour abolir tous les systèmes de l'Ancien Testament. Alors, après le lever du soleil, nous avons eu 33 ans du jour de la lumière et nous avons le livre des Actes des Apôtres. Et après ça, nous avons les âges de l'Église. Or, nous savons, les âges de l'Église, c'est la nuit. Et la nuit, là, nous rentrons maintenant dans le domaine des substituts. C'est pour cela, l'âge d'Éphèse, Jéhovah, le Père de lumière, réprimandait les âges. Ce que j'ai contre toi. Deuxième âge, ce que j'ai contre toi. Il y avait toujours Jéhovah qui réprimandait l'Église. Et ça, c'est la nuit. Et la nuit, on ne peut pas bien voir. William Marion Branham nous dit ceci. Dieu, dans les sept âges de l'Église, il appelle ça même la dispensation des églises. Je vais d'abord lire ça. Il dit ceci. Nous arrivons maintenant au temps de la fin de la dispensation de l'Église. C'est ce que j'ai lu ce soir. Il y aura de la lumière au temps du soir. Donc la lumière du soir mettra fin à la dispensation des églises. Nous avons eu beaucoup de temps sombre, mais il y aura de la lumière. Le même Fils qui est venu changer la dispensation à cette époque-là revient de nouveau là. Ça sera de la terre à la gloire. Donc il y a eu aussi un temps où Dieu a laissé les hommes faire des églises, des organisations. C'était normal. De la même manière qu'il avait laissé les gens avec le son des boucs et des taureaux, les lavages de ceci et de cela dans l'Ancien Testament, et il leur envoyait les prophètes qui leur apportaient des substituts. C'était normal. C'était une dispensation. Mais quand le soleil s'est levé, la rédemption avait commencé, c'était la fin de substituts. À ce moment-là, vous repartez comme Adam. Pas d'église, pas d'organisation, pas de substituts. Vous n'avez que la communion avec Jéhovah. Et c'est ce que nous appelons le royaume. Parce que Jésus ne parlait pas de l'église, mais il disait que le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu viendra. Voilà, c'est ça le jour. C'est ça la lumière. Alors mes chers amis, après nous avons eu la nuit des âges de l'Église. Et nous savons très bien, les âges de l'Église, nous commençons par Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Branham. Ces hommes-là étaient dans la nuit. Et ils ont fait des églises. Ils ont eu un peu de lumière pour faire des églises. Et Dieu avait permis, parce que la lumière du soir n'était pas encore venue. Alors, mes chers amis, nous allons essayer d'énumérer les choses de l'église. Parce que, d'abord, pour tout commencer, l'église comme l'église locale, l'église organisée, c'est un substitut. Et étant substitut, ce n'est pas la vraie chose. La vraie chose devrait venir après. Les églises, c'était juste pour nous permettre d'adhérer.
Et les églises, vous allez remarquer, mes chers amis, dans les églises, c'est l'amusement. Les églises, il y a plus d'amusement. C'est le divertissement dans les églises. Dans les églises, on s'habitue à Dieu dans les églises. Je vais essayer de vous aider. Quand Dieu avait donné comme substitut le tabernacle de Moïse et Salomon en a fait le temple, mes chers amis, cela était sacré. Même substitut, c'était sacré. On ne dansait pas dans le temple, mes chers amis. Dans le temple là-bas, mes chers amis, le sacrificateur devrait bien s'habiller pour rentrer dans le lieu très saint. Dans le temple là-bas, ou le tabernacle là-bas, mes chers amis, quand c'était les substituts donnés par Dieu, c'était le sacré. Mais mes chers amis, quand Jésus était venu, étant le soleil levant, la lumière du jour, qu'est-ce que les pharisiens avaient fait du temple? Ils ont commencé à vendre. Et ils ont commencé à faire des choses bizarres dans le temple. Pourquoi? Parce que la lumière était venue et le temple était Ichabod. Et mes chers amis, Dieu avait permis dans la dispensation des églises, la nuit des âges, les étoiles, pour que les gens puissent avoir l'église. Et l'église d'autrefois, commençons par l'âge d'Éphèse, avec Paul, il y avait un, le sacré. L'église même de Smyrne, il y avait un peu de sacré. Mais c'est à partir de Colomba, où nous avons eu le concile de Nicée, avec Constantin, qui a pris l'église et l'État associés. Et ils ont amené le système des fêtes des catholiques dans l'église chrétienne. C'est à ce moment-là, mes chers amis, exactement ce qui était arrivé à Jérusalem. Quand Jésus avait vu les gens vont dans le temple, la lumière s'est levée, c'était le jour, le Fils de l'homme ne pouvait pas supporter qu'on puisse gaspiller la chose au moins que lui il avait donnée. Et il a pris la chicotte, il les a tous chicotés. Les vendeurs de pigeons, le trafic de ceci et de cela. Il a pris la chicotte, il les a tous chicotés. Et il a dit, la maison de mon père sera appelée la maison de prière. Et plus tard, il dira, détruisez-moi ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Vous voyez, mes chers amis, quand il est venu, il a d'abord apprécié la maison de son père. Mais pourtant, la maison de son père était déjà le caverne de voleurs. Et pourquoi? Parce que la dispensation avait changé. C'était le commencement de la rédemption. C'était le soleil levant. Alors, ma typologie et ma théologie, prêchée par les types, vous n'allez pas brancher, a dit William Marion Branham. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'énumérer les divertissements des églises. L'église est devenue un lieu de fête. L'église aujourd'hui est devenue un lieu d'habitude. Il n'y a plus le sacré. Ce qu'on devrait faire à la maison, ce qu'on devrait faire dans la rue, on vient le faire à l'église. Mes chers amis, la première église n'avait pas de chorale. À la Pentecôte, il n'y avait pas la maison des dons. Mes chers amis, à la Pentecôte, il n'y avait pas les évêques et les archivêques, c'était des frères. À la Pentecôte, mes chers amis, on ne venait pas pour fêter les anniversaires dans des églises. Vous allez me donner des citations de William Branham. Je les connais très bien. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux aussi dire ou souhaiter joyeux anniversaire à un frère. Frère Branham, on lui avait fait un gâteau de l'anniversaire avant l'ouverture des sceaux. Mais après l'ouverture des sceaux, Frère Branham n'a pas eu reçu un cadeau d'anniversaire dans son église. Où les gens commençaient à chanter et commençaient à jeter je ne sais quoi sur William Branham. Ça, c'était juste des substituts. Bon, disons,
c'était des choses que les gens ont ajoutées au cours des âges. Mes chers amis, nous voyons même aujourd'hui dans le message où les gens se disent qu'ils ont la lumière du soir, ils portent des tenues. La chorale a la tenue, les frères même, ils vont catch the vision. Mes chers amis, toutes les églises, les religions qui ont des tenues, ça fait vomir le prophète. Je vais lire ça. Ça fait vomir le prophète, mes chers amis. Il est dit ici dans la fête des trompettes. J'ai entendu un prêtre luthérien dire, l'autre jour, il disait, ou un prédicateur luthérien, il disait, eh bien, les gens me demandent pourquoi je porte un col. Comment va-t-on me différencier du 3 points? Étais-tu là? Un frère dit oui. Oui, ça, c'était vraiment ridicule. N'est-ce pas? J'ai presque eu envie de vomir. Je suis descendu de l'estrade. Il disait, en effet, il ne devrait pas y avoir de différence. Donc, même au milieu des frères du message, ils portent des uniformes. Ils portent des tenues pour différencier. Mes chers amis, voilà la religion. La religion, la petite lumière que Dieu avait donnée au cours des âges. Mais quand le soleil s'élève, tout ça doit terminer. Je veux essayer de vous aider. Allez dans le livre des Actes des Apôtres. Ils n'insistaient pas sur les choses matérielles. Même la consécration des bébés. Je n'ai pas vu dans la Bible où les apôtres ont consacré des bébés. C'est Jésus qui a consacré les bébés et ce n'était même pas dans l'église. Aujourd'hui, consacrer un bébé, il faut que ce soit à l'église. Ça, ce sont des substituts qu'on a ajoutés. Mes chers amis, en réalité, le lieu de rassemblement, ça doit être sacré. Ce qu'on doit faire, c'est prêcher la parole de Dieu et adorer Dieu. Le reste là, on peut faire ça dehors. Le reste là que nous avons dans les églises, ce sont des tralala. Maison des dents, chorale, chef de ceci, les banquets. Beaucoup de divertissements dans des églises. Beaucoup d'amusements dans les églises. Beaucoup de fêtes dans des églises. C'est exactement l'esprit romain qui vient sous une autre forme parmi les frères du message. Mes chers amis, c'était juste des substituts. Dieu avait permis, il avait laissé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la lumière. Comme il avait laissé le sang des boucs et des taureaux avant que le sang parfait ne puisse venir. Avant que la rédemption ne commence, il a laissé toutes ces statues, excusez, ces substituts. Il a laissé les messagers apporter un peu de lumière. Mais la vraie lumière était venue, c'était Jésus. Alors, prenez la manière de faire de Jésus. Jésus n'avait que le trésorier. Jésus n'avait pas d'administrateur. Jésus n'avait pas de diacre. Mes chers amis, les diacres même sont venus à cause de la famine des gens. C'est pour cela qu'on a placé les diacres. Mais aujourd'hui, les diacres, ce n'est plus pour prendre soin, bibliquement parlant. C'est pour prendre soin des veuves. Bibliquement parlant, c'est pour partager la nourriture. Bibliquement parlant, c'est pour aider ceux qui sont démunis. Voilà l'origine des diacres dans la Bible. Maintenant, quand les choses ont changé, c'est à partir de là, les messagers ont commencé à établir les diacres, les évêques, évêques, les anciens, les diacres et les laïcs. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Quand les disciples sont venus voir Jésus, « Maître, parmi nous qui est le plus grand ?» Il dit, « Pour être le plus grand, il faut être serviteur de l'autre. » Mes chers amis, en voici le plan, c'est le type. C'était un temps que Dieu nous a permis d'adhérer aux églises. Donc, quand vous voyez tous ces tabernacles, toutes ces églises-là, ce n'est pas
le modèle de la Bible. La Pentecôte, quand il y avait la lumière, pendant 33 ans, ils n'ont pas laissé une église. Mais les églises ont commencé avec Paul, l'âge d'Éphèse. C'était la nuit, pas le jour. Maintenant, nous allons étudier ensemble avec vous. La lumière du soir viendra aussi pour faire quoi? Lisons d'abord un peu ce que Frère Branham dit. Mes chers amis, si vous, vous allez faire ça dans vos églises, continuez à faire. Mais moi, j'annonce les faits. Je vous annonce les faits. L'origine de l'église de la Pentecôte. Et William Branham l'a dit dans beaucoup de sermons. L'inauguration de l'église, c'était à la Pentecôte. Et quand il parle de l'église, ce n'est pas l'église organisée. Ce n'est pas l'église locale. C'est le corps de Christ. Parce que aucun des apôtres n'a laissé une église. Vous pouvez vous rassembler dans un bâtiment. C'est que le bâtiment n'a pas de problème. Ce n'est pas le bâtiment qui a un problème, mais c'est le système. C'est le système qui a un problème. Quand vous avez le système des églises organisées, mes chers amis, alors vous êtes hors jeu. Vous rendez un service à Dieu en dehors de sa volonté. Mes chers amis, prenons seulement l'exemple de la construction de nos églises. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le front de la construction. Il n'y en a pas. Il prend l'écriture de le front de la construction du temple de Salomon. Bon, si vous voulez prendre le type du temple de Salomon, vous allez même loin. Vous dites que vous êtes de la grâce, mais vous voulez prendre les choses de la loi. Prenez tout de la loi. Et la loi là-bas même, malgré que c'était la loi, Dieu avait demandé à chacun d'eux de donner selon sa volonté. On ne poussait pas les gens pour construire l'église, mais volontairement. Même Dieu l'avait dit à David, tu veux me construire une maison? Est-ce que depuis que nous avons commencé le royaume d'Israël, je t'avais dit que je dois avoir une maison? Et aujourd'hui, toutes les églises organisées, le type, c'est le temple là-bas. Mais le temple là-bas, il n'y avait pas un cahier. C'était volontairement. Mais aujourd'hui, les constructions des églises, on force les gens. On impose les gens. Et du coup, ce n'est même pas le plan de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. Vous voulez construire des églises? Construisez. William Branham en a laissé une. Mais je vous dirai juste ce qui est contre. Où nous annonçons les effets, c'est le système des églises. C'est pour cela aujourd'hui quand un pasteur fournit ses efforts de construire son église, ça devient son business. C'est son usine, c'est l'usine, c'est son business. Ça devient l'affaire de la famille, mes chers amis. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il n'a pas mangé, il a privé sa femme, ses enfants, et il a construit. Mais qui t'avait dit d'aller construire l'église? Qui te l'a dit de construire? Et voilà, comme ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, c'est pour cela que nous voyons tous ces tralala que nous avons aujourd'hui. Nous avons la division autour des églises, les gens amènent les autres au parquet à cause des églises. Tout ça, parce que c'est un substitut, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et la dernière forme de Satan, c'est l'église. Mon slogan de tout le temps, l'église locale, c'est la riva de la perfection. Pourquoi? Parce que l'église locale, c'est un substitut. Si longtemps tu es membre d'une église et tu te trimbales étant chrétien membre d'une église, sache-le que c'est ta rivale. Tu n'arriveras pas à la perfection. Ça va t'empêcher. Et dans Dieu dévoilé, il est dit dans la parole parlée que c'est un voile qui vous empêche l'église. Un voile qui vous empêche d'atteindre le haut sommet, d'atteindre la perfection. Donc tout ça, c'était juste Dieu qui nous avait laissé au cours des âges pour avoir un peu de... Donc si vous avez l'église, vous êtes dans les âges, ne vous en faites pas. Si vous avez une église locale, avec le nom, je ne sais pas quel nom que vous avez, peu importe ce que vous allez dire, vous êtes dans les âges. Et nous ne pouvons pas
fait des problèmes avec vous. Je vous comprends parce que vous êtes encore dans les âges. Mais si vous dites que vous avez la lumière du soir ou le message de l'heure avec un tabernacle, alors ça c'est du méli-mélo. Il y a un ça ne va pas. Je lis d'abord Frère Branham qui va nous dire nous avons eu un peu de lumière pour adhérer aux églises, mes chers amis. Il y a des temps où je veux visiter une église, j'ai même envie de vomir. Les gens pensent que le fait d'être membre d'une église, et j'ai remarqué une chose, la majorité même des frères dans le message défendent plus leur église et leur pasteur que Dieu. La majorité dans le message, ils défendent, je vais même un peu plus loin, ils défendent même Branham plus que Dieu. Donc c'est carrément la religion. Vous voyez même au milieu des frères du message, il y a la guerre à cause des églises. Telle église croit ceci, l'autre église croit cela et ils ne s'entendent pas. Les réseaux sociaux, ce sont des églises. Les gens veulent se faire voir, ils veulent être grands. Les églises, c'est le divertissement, mes amis. Les gens s'habituent maintenant à Dieu. Les églises, c'est l'amusement, c'est les fêtes. Ça doit être un lieu qu'on prêche que uniquement la parole. Tout le reste, là, faites ça dehors. Le temple de Salomon était sacré, mes chers amis. Mais aujourd'hui, les églises, le concert, les anniversaires, les mariages où on voit les sœurs habillées à moitié nues, les habits qui collent, il faut qu'il y ait la suite. Frère Branham s'est marié dans la maison. Il a marié son frère Doc à la maison, dans la chambre. Ne pensez pas que la vraie chose, c'est ce qu'on fait dans l'église locale. Non! Ne pensez pas que le véritable baptême, c'est quand on te dit qui va être baptisé. Tu lèves la main, on va te... Non! Philippe n'avait pas baptisé l'eunuque éthiopien dans l'église. Philippe baptisa l'eunuque éthiopien en dehors de l'église. Enlever cette amnésie-là, c'était un temps que Dieu nous avait permis au cours des âges. La lumière est venue, sortez de cette amnésie-là. Dans la demeure future, il est dit ceci, n'importe qui, n'importe quel croyant chrétien peut baptiser. Philippe n'a pas baptisé le nuque éthiopien dans une église. On ne mariait pas à l'époque de la Pentecôte, on ne mariait pas les gens dans une église locale. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui refusent de marier des gens parce qu'on ne lui a pas acheté la veste. Il faut d'abord qu'on lui achète la veste pour vous marier. Et pour vous marier, il faut qu'il y ait la suite, il faut qu'il y ait la robe du mariage. Il faut... Qui vous a... Branham n'avait même... Médan n'avait pas la robe de mariage. Si vous voulez les stations, allez-y lire dans New Generation. Le témoignage de la femme de Doc, le petit frère de Frère Branham. Ils se sont mariés à la maison. Mais aujourd'hui, la religion vous bouffe de l'argent pour rien. Vous dépensez beaucoup d'argent et après le mariage, c'est des difficultés. Qui vous a dit que c'est comme ça? Et vous appelez ça même le mariage religieux. Montrez-moi dans la Bible, dans le message, où Branham appelle ça le mariage religieux. On appelle ça le mariage dans le Seigneur ou le mariage dans la parole. Pas religieux. C'est le mariage dans la parole. C'est pour cela, comme c'est le mariage religieux, c'est le système des âges des églises qui vous a collé et vous souffrez. Mes chers amis, l'église a fait des frères et sœurs des esclaves de la religion. Pitié Seigneur. Vous êtes devenus des esclaves, mes chers amis, de la religion. Vous prétendez être dans la dispensation de la grâce, mais vous faites des choses comme dans la loi. Des esclaves des églises, esclaves de la religion. Je lis Frère Branham. Si vous êtes dans les âges, continuez à faire ce que vous faites. Mais moi, je n'annonce que les faits. Nous sommes en train d'étudier la lumière du soir. Bien. La fête des trompettes. Il dit ceci. Nous avons eu un peu de lumière pour adhérer aux églises. C'est clair.
C'était clair. C'était pour un temps. Au paragraphe 240. Parce qu'on doit aider ceux qui doivent suivre cela. Mais le prophète a dit, le Fils ne brillera pas tout au long de ce jour. Le Fils ne brillera pas tout au long de ce jour. Ça sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière comme un jour très pluvieux pour leur permettre d'adhérer à l'Église. C'était valable. C'était une dispensation. C'était des substituts. On leur avait permis d'adhérer. Dieu a laissé ça parce que la lumière du soir n'était pas encore venue. Comme il avait permis au cours des âges des Juifs de l'Ancien Testament, le sang des boucs et des taureaux, et les temples, les synagogues, et tout ces tralala. Il avait permis ça. Comme un jour très pluvieux. Pour leur permettre d'adhérer à l'Église. De croire au Seigneur. Et ainsi de suite comme ça. Mais il a dit au temps du soir, les nuages se dissiperont, les dénominations s'éteindront. Donc au temps du soir, tout ça doit terminer, selon la citation. Mais Dieu avait permis. L'Église, nous avons lu ensemble avec vous, c'est un substitut. Et tout ce qui suit l'Église, c'est des substituts. Bien. Dans le Dieu puissant dévoilé devant nous, paragraphe 94, nous avons eu un jour ténébreux, nous avons eu assez de lumière au temps des réformateurs, et ainsi de suite, pour fonder des églises. Donc l'origine même de fonder des églises, c'est les réformateurs, c'est les âges. Et des dénominations, deux choses, hein, des églises et des dénominations. Et pour y adhérer, et pour y entrer et embrasser les bébés, pour marier les plus âgés, pour ensevelir les morts et ce qui s'ensuit, et pour vivre dans l'Église. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc l'Église et tout ce qui s'ensuit, marier les gens, embrasser les bébés, les services funèbres, tout ça. Ce n'était pas ainsi le 33 ans des apôtres. Non, ce n'était pas ainsi. Et William Branham maintenant continue, il dit, mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Mais non. La lumière du soir, c'est la fin de la rédemption. Ok. La lumière du matin, c'était le début de la rédemption. Et la lumière du matin avait mis fin au substitut et au système des messagers. Et la lumière du matin avait même aboli le paradis. Et ici, la lumière du soir, c'est la fin de la rédemption. Et la lumière du soir n'a pas d'église. De la même manière, la lumière du matin n'avait pas d'église. La lumière du soir aussi n'aura pas d'église. Parce que Adam avait le titre de propriété incontestable. Et Adam était dans le jour. Adam était dans la perfection. Adam n'avait pas de rituel. Adam n'avait pas d'ordre. Adam n'avait pas de loi. Après la chute d'Adam, nous sommes rentrés dans le ténèbre, la nuit. Et là, Dieu autrefois parlait par les prophètes. Et quand le Fils s'est levé, la lumière du matin, à ce moment-là, il n'y avait plus d'église. Et nous commençons avec les âges, les étoiles, Paul jusqu'à William Branham ou Élie de Malachicat. C'est la nuit. Nous avons eu des substituts, nous avons adhéré aux églises, nous avons pratiqué les tralas des églises, et aujourd'hui c'est pire même, il n'y a pas le sacré dans les églises. Et la lumière du soir met fin à la rédemption.
Quand la lumière du soir met fin à la rédemption, la lumière du soir remet le titre de propriété incontestable à Adam. Du coup, nous repartons dans la position d'Adam. Comme Adam, quand il avait le titre de propriété, il n'avait pas de rituel, n'avait pas d'église, il n'avait pas de loi. Mais il avait la communion avec Jéhovah, le Père des Lumières. Et si aujourd'hui la lumière du soir a terminé la rédemption et nous a remis le titre de propriété, par conséquent, mes chers amis, nous ne devons plus avoir tous ces tralala, ça doit prendre fin. Je veux m'expliquer, mes chers amis. Ça va vous aider. Savez-vous quand William Branham avait fait l'accident? William Branham a fait 7 jours dans le coma. Et William Branham est mort le 7e jour. C'était la fin des âges de l'Église. Pourquoi William Branham n'était pas mort le 6e? Il a été mort le 7e jour. Et quand William Branham a fermé les yeux le 7e jour... Billy Paul a regardé au ciel, il y avait au ciel comme une voix. Donc cette fois-ci, les âges ont pris fin. Le système des églises ont pris fin. Parce que William Branham s'était éteint le 7e jour. Les âges avaient pris fin. Je vais vous aider. Quand William Branham prêcha les 7 âges de l'église, la lumière est venue et la lumière a écrit les 7 âges de l'église. Et les 7 âges de l'église, c'était l'histoire. C'est la colonne de feu qui a écrit les 7 âges de l'église. Et nous savons que la colonne de feu conduisait les enfants d'Israël la nuit. Et la nuit et le jour. Et nous savons aussi, William Branham, en 1950, la lumière était sur sa tête. Et c'est cette photo-là qui a fait beaucoup de tabernacles aujourd'hui. Mais la lumière du soir, ce n'est pas la colonne de feu sur la tête de William Branham. La lumière du soir, c'est la nuit. C'est Christ lui-même. Le même soleil qui s'est levé à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même soleil qui a commencé la rédemption, c'est le même soleil qui termine la rédemption. Gloire à Dieu sur la terre. La lumière du soir, c'est le soleil. Et le soleil, c'est la nuit. Comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et la lumière du soir n'a pas d'église, mes chers amis. La lumière du soir, c'est le même soleil qui se lève à l'est, le même soleil qui se couche à l'ouest. Et si vous croyez, Branham a prêché, c'est le lever du soleil. William Branham a prêché, quelle attraction a-t-il sur la montagne? Il dit, c'est un fait que Dieu écrit 101. C'est quoi? C'est la lumière du soir. Mes chers amis, c'est ça qui vient mettre fin aux âges de l'église. Ce livre est ouvert après que les âges des églises et des dénominations sont terminés. Et quand vous avez le livre, l'ouverture des sceaux, vous ne pouvez plus avoir un tabernacle. Ça ne peut pas marcher, mes chers amis. La dispensation des églises, comme je l'ai lu, terminée à la lumière du soir. Je relis d'abord la citation avant que je continue. Il dit, nous arrivons maintenant au temps de la fin de la dispensation de l'église. C'est ce que j'ai lu ce soir. Il y aura de la lumière au temps du soir. Donc la dispensation des églises prend fin quand la lumière du soir vient. De la même manière, la dispensation des boucs, des taureaux, des substituts avait pris fin quand la lumière du matin s'était levée. C'est exactement pareil, ma typologie et ma théologie. Alors, lisons le prophète pour la lumière du soir. Ce n'est pas la lumière des âges de l'église. Ce ne sont pas des étoiles ici. Ici, c'est le soleil. Quelle attraction a-t-il sur la montagne, paragraphe 158? Il n'y a aucun homme, aucun ange. Excusez, 147. Tout ce qui, trois points, cela ne mourra jamais. Cela ne mourra jamais. Cela se déroule dans un mouvement continuel. Donc même si Branham est parti,
ça déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'avènement lui-même jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Et maintenant, précisément sur le mont Sainte et à la lumière du coucher du soleil, la lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. Dieu et Christ sont un. Blanche, combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait. Ce dont nous avons parlé. Dans Apocalypse 1. Voyez-vous? La divinité suprême, l'autorité suprême. Pas d'autre voix. C'est pour cela, mes chers amis, aujourd'hui, ce n'est pas la voix de Frère Branham. C'est la voix des tonnerres, pas d'autre voix. Alléluia, alléluia. Pas d'autre Dieu, rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Amen. La lumière du soir ne peut pas s'arrêter. C'est un mouvement continuel. Mes chers amis, je vais vous montrer les photos. Ça va vous aider. Ici, nous avons William Branham, frère Branham, qui lisait la Bible. Ici, nous avons la lumière de la nuit, les âges des églises. Quand frère Branham a prêché et les gens ont commencé à faire des tabernacles. Et frère Branham était venu avec le système des baptistes. Pourquoi? Parce que la lumière de soir n'était pas encore venue. La preuve en est dans le cinquième saut. Il dit, autrefois je présumais. Présumer veut dire s'aventurer sans autorité. Et à l'ouverture des seaux, il a dit ceci, toutes ces erreurs sont corrigées. Voilà, donc ça, c'est la photo des églises. Les églises aiment la photo aussi. Maintenant, ça, c'est la photo de l'épouse. Un jour, frère Branham, un frère lui a amené la photo de la nuée, de Christ lui-même. Il dit, frère Branham, je vais l'amener à une école biblique. Une école théologique. Frère Branham dit, non, ne faites pas ça. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Ceci est pour les élus. Si vous voulez la citation, essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Donc, ceci est pour les élus. Ceci est pour les églises. Ça, c'est pour les églises. Ceci, pour les élus. Et ceci, la nuée, Christ lui-même, la lumière du soir, le soleil, alléluia, le soleil qui se couche à l'ouest et qui se personnifie dans la personne de William Branham pour accomplir Apocalypse chapitre 10, le verset 1 à 7. Parce que le septième sceau, c'est Apocalypse 10, 1 à 7. Et quand il se personnifie, il n'y a pas la lumière sur la tête. Mes chers amis, ici maintenant, c'est la lumière du soir. Bon, et la lumière du soir n'a pas d'église. Je lis d'abord ici pour montrer que nous avons le titre de propriété incontestable. Ce qu'Adam avait perdu, ce qu'il a perdu, qui nous avait introduit dans l'obscurité, nous l'avons retrouvé. Nous repartons dans la position de la lumière. Sa rédemption signifie la position légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. C'est ça la rédemption. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Fiu! Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? La possession de cet acte.
La rédemption est terminée. La lumière du soir termine la rédemption. Et il n'y a plus d'église, plus de religion, plus de tabernacle, plus de synagogue, plus de mosquée. C'est un problème individuel. Alors, mes chers amis, je vais chuter pour vous montrer que la lumière du soir, pas d'église. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Mes chers amis, je lirai la citation-ci pour vous montrer. De la même manière, quand la lumière du matin s'était levée, le diable s'était établi dans le docteur et les sacrificateurs d'autrefois. Aujourd'hui, quand la lumière du soir s'est levée, la rédemption terminée. Aujourd'hui, le diable s'est installé dans les pasteurs. Autrefois, c'était... Frère Madame disait que le Saint-Esprit était lié par le fleuve dénominationnel. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui lient le Saint-Esprit pour que le peuple n'ait pas la communion avec Dieu. Ils imposent les brebis. Et les brebis sont devenus des esclaves des églises. Et Frère Branham me dit, en aucun cas, Dieu n'a jamais établi l'homme pour dominer sur l'homme. Non, nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de domination. Nous sommes des frères. C'est pour cela, donc, c'est le lever du soleil. La lumière du soir. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'ordre, pas de loi. On entre par prédestination. Mais il n'y a que le respect, la crainte de l'Éternel. Mes chers amis, il n'y a que le respect pour les choses de Dieu. Il n'y a que la crainte pour les choses de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans les églises aujourd'hui. C'est pour cela, ce n'est pas moi. Je ne fais qu'annoncer les faits. Je ne suis que l'écho de la lumière du soir. Frère Branham, le Dieu de cet âge mauvais, il dit, la dénomination, paragraphe 126, la dénomination, c'est tellement à l'opposé à la parole. Or, nous savons l'ouverture des sceaux, la lumière du soir, c'est l'ouverture de la parole. Et les églises s'opposent à la parole. Pour la première fois aussi, la lumière du matin, c'est la parole qui était née de Dieu. Ils n'ont jamais eu une seule. Il n'a jamais agi dans une seule d'entre elles. Il n'a jamais agi avec une seule d'entre elles. J'aimerais qu'un historien me montre une seule fois où un prophète serait sorti de l'église. Montrez-moi une fois où Dieu aurait béni une église qui, trois points, après qu'elle s'était organisée et elle a été mise au rencard et elle est morte. Elle est morte. Après avoir mis, donc elle est morte, après avoir reçu de ses conducteurs la sagesse intellectuelle du diable. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham. Quand vous avez vos églises, les tabernacles, vous refusez la lumière du soir, l'ouverture des sceaux, qui n'a pas d'église, mes chers amis, tu es un intellectuel. Tu es un conducteur avec la sagesse intellectuelle du diable. Et refuser de recevoir la parole de Dieu. Alors que celle-ci grandissait jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc on a laissé le temps que la parole puisse grandir. D'Éphèse jusqu'à Laodicée. Or la tête c'est la pierre de fait. La tête n'a pas d'église. C'est ça le troisième pôle. C'est ça Apocalypse 10. C'est ça le voix des tonnerres. C'est ça le soleil levant. C'est ça la lumière du soir. C'est ça la tête, pas d'église. Frère Branham dit jusqu'à ce qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. On est à la tête maintenant. C'est tellement à l'opposé. Séparez-vous de cette Ève incrédule, vous enfants de la lumière du soir. Si tu n'es pas l'enfant de la lumière du soir, tu resteras avec cette Ève incrédule. Et nous savons que Ève, c'est l'église. Mais si tu es enfant de la lumière du soir, tu ne seras pas membre d'une église.
Mais tu vas accepter le Fils de l'homme, la lumière du soir, le troisième pôle. Ah, Jéhovah, aide tes enfants. Dans le serment, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, il est dit ceci. La parole, le message du soir doit produire les résultats du soir. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir. Pas des semences du matin, c'est semences du soir. Des semences du soir. C'est pour cela, mes chers amis, je ne fais que s'aimer la semence du soir. Et beaucoup de gens sèment la semence des âges des églises. La semence du midi, qui est devenue la semence de l'organisation. Mais moi, par la grâce de Dieu, par cette petite grâce que Dieu m'a faite, j'essaie d'aider un frère, une sœur, de comprendre que nous ne sommes plus dans la lumière des étoiles. Nous devons sortir de tous ces substituts, tous ces tralala. La lumière du soir n'a pas d'église. Si tu es la semence du soir, enfant semence parole, sors de cette Ève incrédule. Et la lumière du soir doit s'aimer la semence du soir. C'est pour cela que je ne fais que s'aimer la semence du soir. Si vous m'enlevez le septième sceau, je ne prêcherai plus. Si vous m'enlevez le troisième poule, je veux pour moi être un chasseur de gibier ou un pêcheur de poissons, parce que ce n'est pas la semence d'aujourd'hui. C'est pour cela que quand je rentre dans une église organisée, avec beaucoup de photos, et ils font la religion, j'ai pitié d'eux, parce qu'ils sont encore dans les étoiles. Ils ne savent pas qu'ils rendent un service à Dieu en dehors de sa volonté, que la lumière du soir est déjà venue. Alors, pour terminer, mais j'ai un élément que je veux ajouter pour, avant de terminer. Mes chers amis, quand Élie était venu, la première chose qu'il avait fait, il avait rétabli l'autel. Et quand il avait rétabli l'autel, mes chers amis, Élisée n'était pas là. Et le feu était tombé du ciel pour consumer le logos. Pourquoi Élie avait rétabli l'autel? Parce que tout Israël était conduit par l'église de Jézabel. Et il fallait que Dieu puisse envoyer un prophète pour rétablir l'autel qui était renversé. Et Dieu devrait aussi nous envoyer Élie de Malachie 4. Parce que les églises séduites par Jézabel, l'église catholique romaine, avec tous ses systèmes, c'est Jézabel moderne. Alors, Dieu envoya Élie le Tishbite. Et Élie avait rétabli l'autel et le feu était descendu. Il y avait 400 prophètes de Baal. C'est pour cela, à Houston, en 1950, il y avait aussi beaucoup de prédicateurs. L'histoire s'était répétée. C'est l'antitype. Et le feu est tombé quand Branham rétablissait l'autel. Ici, la photo aussi, c'était à cause du baptême au nom de Jésus-Christ. Et la semence du serpent. Ici, là. Et le feu est tombé. Et beaucoup de gens sont dit, je venais me faire baptiser. Pendant qu'ils ne sont pas venus. De la même manière que Élie avait tué tous ces 400 prophètes. Branham aussi, spirituellement, les avait tous tués. Parce qu'aucun d'eux n'était venu se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, ils avaient compris que Branham avait raison. Tous sont morts. Mais Élisée n'était pas là. Et Élisée, c'est le type de l'épouse. Alors, après, Élie se disait qu'il était resté seul. Je suis resté seul. Et Élie avait fui. Et il s'est caché. Et tout d'un coup, il eut une voix douce et légère. Il y a eu d'abord le vent. Il y a eu le tremblement. Dieu n'était pas là. Mais une voix douce. Élie, sors de là.
Et quand Élie est sorti de là, Dieu va lui dire, il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Nous sommes ici maintenant. Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. 7000. Élie pensait qu'il était seul. Alors mes chers amis, nous allons prendre le type et l'antitype. Au quatrième saut, qu'est-ce que Frère Branham va dire? Il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Et dans les 7000, il y avait Élisée. Et Élisée, c'est le type de l'épouse. Donc, Élisée ne vient pas par ici, là. Quand il a rétabli l'autel, quand le feu est tombé. Ça a fait des églises. Mais Élisée est venu à partir de l'ouverture des seaux. Élisée sort d'ici. Ici, ici. Le soleil levant, le soleil, la lumière du jour, ici, là, c'est ici. Je lirai Frère Branham. Mes chers amis, il est dit dans la parole parlée, quand Élie, Dieu lui a ouvert un des seaux, il lui a montré qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et il ajoute, il dit, ils n'ont pas fléchi les genoux devant les organisations. Donc, il y a un groupe de gens qui ne sont pas les membres des églises, qui ne sont pas souillés par l'organisation, qui ne sont pas souillés par le système des églises. C'est cela, Élie, que tu vas prêcher les voix des tonnerres. Et Élie a compris cela quand Dieu lui a ouvert un des seaux. Or, nous savons que le seau, c'est Apocalypse chapitre 10. Et un des seaux, c'est le septième seau. Le seau des noms, des appels des noms. Un des seaux qui lui a ouvert. Pour que Élie réalise, il y a des gens qui n'ont pas fléchi les genoux devant les organisations, qui ne sont pas membres des églises. Et Branham ajoute, c'est ceux-là qui seront enlevés. Si tu es membre des églises, tu as la lumière des âges, tu n'as pas la lumière du soir. Mon cher ami, tu es une chair à canon. Je lis Frère Branham ici, qui va confirmer ça. Et nous allons terminer. Il dit, au paragraphe 370, quatrième saut, Dieu a dit, je vais ouvrir un des seaux. Or, au temps d'Élie, il n'y avait pas les seaux. Donc, il met ça en rapport avec lui-même. Il prend le type et il ramène ça en petit type. Dieu a dit, je vais ouvrir un des seaux. Et te montrer quelque chose. Il a dit, tu sais, j'ai 7, ici il dit, j'en ai 700 là-bas, mais c'est, il avait corrigé ça, 7000 qui n'ont jamais fléchi le genou, qui n'ont encore jamais suivi aucun de ces credos, de ces dénominations. Il y en a 7000 qui sont prêts pour l'enlèvement. Tu vois, oh, il a dit, son prophète, il a dit à son prophète, celui à qui il révèle sa parole. Vous voyez, tout le long des Écritures, j'ai encore 7000 noms que j'ai préparés pour cette génération. J'en ai 700, 7000. Ceux-là n'ont fléchi le genou devant aucune, comme je le dirai en ces jours-ci, organisation religieuse. Ils ne sont pas laissés endoctriner par elles. Amen. Je me sens très bien. Comme je le dirai en ces jours aussi, organisation religieuse, ils ne se sont pas laissés endoctriner par elle. Or, nous savons très bien, l'Amérique était déjà endoctrinée. C'est pour cela, Frère Branham disait, j'irai vers mes frères. Je pense bien que la dernière brebis sera la brebis noire. Parce que là-bas, ils ne sont pas encore endoctrinés par la religion. Mais mes chers amis, la religion était venue. Et les gens ont fait des tabernacles, des religieux endoctrinés. C'est pour cela la lumière du soir aujourd'hui. Par le code de votre frère Bateta. William Branham avait déjà prêché. Mais il nous a dit, étudiez le message. Creusez le message pour éviter la tribulation. Dites ce que disent les bandes. Et je dois dire ce que Branham a dit. Ceux qui ne sont pas endoctrinés. Comme je le dirai en ces jours-ci. Organisation religieuse.
ils ne sont pas laissés endoctriner par elles. Mais mes chers amis, regardez les églises. Le combat, c'est quoi? Ce n'est pas la doctrine. Ils sont endoctrinés. La guerre même parmi les frères du message. Endoctrinés par les pasteurs. Le livre n'a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine avec le livre. Christ en vous, l'expérience de la gloire. La lumière vient vivifier votre semence. Tu te manifestes en tant que fils de Dieu. Fini. Il n'y a pas. Il est venu. Il n'est pas venu sur un cheval blanc, sur la nuée. Il est incarné. Non. Il est venu pour un seul but, manifester les fils et filles de Dieu. Remettre le titre de propriété acquis de droit. L'homme. Alors je vais terminer, mes chers amis, en disant ceci. La lumière du matin avait produit le livre des Actes des Apôtres. Et la lumière du soir doit produire le livre des Actes de l'Épouse. La lumière du soir ne produit pas une église. La lumière du soir ne produit pas des organisations. La lumière du soir ne produit pas les membres des églises. La preuve en est, il a dit ceci, « Sortez de là, mon peuple, dans le troisième exode. » Entrez dans ce troisième exode pour ne pas recevoir la marque de la bête. Et les gens pensent que le troisième exode, c'est une religion ou adorer frère Branham. Ce n'est pas une religion. Le troisième exode, c'est la relation personnelle avec Dieu, comme Adam. Parce que la rédemption est terminée, la lumière de soi nous remet le titre de propriété et nous repartons comme Adam. C'est pour cela. La lumière de soi produira le livre des actes de l'épouse. Quand les gens font du bruit dans les réseaux sociaux pour leurs églises, en réalité, chaque église devrait avoir les actes du troisième pôle dans son église. Et si vous voulez témoigner, témoignez les actes de vos croyants, pas seulement de toi. Dans les actes des apôtres, il n'y a pas seulement les actes de Pierre, de Philippe, d'Orcas ressuscité. L'homme de Pierre guérit les malades. Les actes des apôtres. La pochette posée sur Paul. Le Saint-Esprit qui interdit les gens de ne pas rentrer dans une ville. Actes des apôtres, il prie, le Saint-Esprit descend. Quelqu'un qui est un prisonnier, il sort de là. Voilà mes chers amis, c'est les actes du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est les actes de l'épouse. Aujourd'hui, la lumière du soir produira un livre des actes de l'épouse. Le troisième pôle, ce n'est pas des tralala que des églises, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui voyage plus, c'est moi qui a mis le brebis, c'est nous qui avons commencé. Tout ça, ce sont des tralala. C'est à cause de l'église que tu parles comme ça. Mais le jour que tu rencontreras la lumière du soir, tu auras les résultats du soir. Ne sème pas la semence du midi. Il faut semer la semence du soir pour produire les résultats du soir. Et la lumière du soir n'a pas de dénomination, n'a pas d'organisation, n'a pas d'église. Donc ne dites pas que c'est nous qui avons la vérité. La vérité, c'est le message de l'heure, la lumière du soir. Alors, je termine en disant ceci. Que la lumière du soir doit produire, nous aussi, un livre des actes de l'épouse. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour cela, ce sont les églises qui vous empêchent de ne pas produire le livre des actes de l'épouse. C'est les églises. Parce que si vous êtes dans l'église, vous allez produire les actes de l'église. Les actes de l'église, vous parlerez des diacres, vous parlerez de pasteurs, vous parlerez de la construction des églises, vous allez faire les fêtes. Les églises, vraiment c'est pitié Seigneur. Les églises, il faut toujours qu'il y ait des activités dans l'église pour faire fonctionner leur tabernacle. Il faut qu'il y ait des activités. Donc, pour que l'église soit toujours en chaleur, des activités, pas pour les frères et sœurs, mais pour que l'église soit reconnue, que les gens viennent dans l'église, que l'église, toujours des activités, des divertissements, les fêtes. Il n'y a pas de sacré, mes chers amis.
pas de crainte, pas de respect pour Dieu. Si tu es encore dans la lumière des étoiles, tu auras la photo, la lumière sur la tête et tu seras le supporteur des pasteurs. Mais quand tu auras la lumière du soir, le soleil levant, la nuit et Christ lui-même, Jésus, mon cher ami, ici il est question du nom. Ici il est question de produire ce que Dieu avait écrit dans ton âme avant la fondation du monde. Manifester. Parce que toi tu es la tribu de Dieu. Tu dois manifester ce qu'il avait semé en toi. Les apôtres ont fait leur part. Ils ont joué leur partition. Mais maintenant c'est toi et moi. Et c'est le temps qu'on doit écrire un nouveau livre des actes de l'épouse. Je lis ceci pour terminer. L'âge de l'église de Laodicée. Or, ce messager de Malachie 4 et Apocalypse 10, 7 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, c'est bien de vous montrer aussi les photos parce que, voilà, selon Malachie 4, ça y est là. Selon Malachie 4. Bien. Et il dit encore, et Apocalypse 10, 7. Apocalypse 10, ça y est là. 7. Ça, c'est 7. Bien. Deux choses. 7 dit, il ramènera les cœurs des enfants au Père. Le cœur. Ici, on ne parle pas d'église, on parle du cœur. Point. Deuxièmement, il révélera les mystères de sept tonnerres d'Apocalypse 10. Deuxièmement, ça y est ici. C'est ça. Deuxièmement, c'est la lumière du soir. Deuxièmement, les mystères qu'il va révéler. Révélera, parce qu'il faut aider les gens, les mystères de cette tonnerre d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les sept sceaux. Ça sera ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte exactement. Donc, c'est ceci qui nous ramène littéralement à la Pentecôte. Et la Pentecôte n'avait pas d'organisation. La Pentecôte n'avait pas d'église, mes chers amis. Ça nous ramène littéralement à la Pentecôte. Nos cœurs. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, mon cœur à moi a été ramené. C'est pour cela que je n'ai pas d'église. Mais je fais le rassemblement. Comme au temps de la Pentecôte, je peux rassembler les gens n'importe où et leur prêcher la parole, sans ordre, sans la loi, sans rituel. J'ai écouté une bande du prophète William Branham. J'ai beaucoup aimé, j'ai terminé. J'ai beaucoup aimé. Il dit, oh, quand les géoliens avaient posé la question à Paul, alors que ferais-je pour être sauvé? Il dit, si c'est nous, on devait lui charger de beaucoup de choses. Mais Paul avait seulement dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais si c'est nous aujourd'hui dans les tabernacles, on va te charger beaucoup de choses. Bonne compréhension. Les âges sont finis, sortez. Les églises ont failli, sortez. Les tabernacles.